pas encore pensé. Toi? Moi, j'aimerais ça être célèbre. Je suis d'être invisible. J'aurais le goût d'aller voir une voyante puis lui dire si un jour mon rêve va se réaliser. Viens avec moi, s'il te plaît. Non, je t'aime comme ça. S'il te plaît? Non. Ok. Je vous attendais. J'aimerais savoir si un jour je vais être très très connue. Intéressant. Je vais demander à mon ami Sylvain de vous montrer votre avenir. Sylvain! Devenue Julia Star a maintenant des fans de toutes parts. Cette coquette qui parcourt la planète a-t-elle vraiment trouvé ce qu'elle souhaite? Merci, gracias, thank you! Wow! Miss Julia, est-ce que je peux faire une entrevue, s'il vous plaît? Le problème, non, à tout qui. Est-ce que vous aimez votre premier album? Je l'adore, c'est un travail de notre vie, vous savez. Vous avez beaucoup travaillé dessus? Énormément, toutes les nuits. Et est-ce que vous êtes stressée pour votre premier spectacle? Non, je suis très confiante de mon équipe et moi. Et puis, lorsque j'arrive sur une scène, je me sens très confiante. J'y vois mon public et je l'aime et il m'aime! Un gros merci! Merci beaucoup pour cette entrevue. Oh, that's okay, thank you, thank you. Julia Star! You'll be just good just like me. You'll be good just the way they are. Looking at the door I go. You'll be good just like me. I'm glad to see you. In a little more time. Achoo! Bonjour, bonsoir, non, bon matin. Vous avez sûrement entendu partout dans les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de Guillaume, le meilleur ami de Julia Star. Et son public, Sarah, sa fan numéro 1. Guillaume, quelle vous voix? C'était sa pire erreur de sa vie. Et son public? J'ai son Madame Poitras, en compagnie de la Radio FM. Revenez-nous demain à la même heure. Bienvenue à la radio la plus répandue du Québec. Et vous, Julia Star, c'était le pire show de ma vie, quoi. Faire du lip-sync, c'est inconcevable. Oh my god, the career of Julia Star is dead. Être populaire peut devenir un enfer, quand pour obtenir ce que l'on veut, on est prêt à mentir à ceux qui nous rendent heureux. Julia devra maintenant faire face à tous ceux qui la menacent. Sa popularité si mal acquise vient de lui être prise. Te voici, Julia, seule chez toi, sans plus personne pour qui tu rayonnes. Guillaume, ton ami de toujours, est encore de retour pour adoucir la déception qui ne pourrait que t'aigrir. À toi maintenant, Juliette ou Julia, de décider quelle voie tu choisiras. Ah, voici ce que mon ami Sylvain le poète avait à te montrer. Ouais. Je suis sûre vraiment de vouloir cette vie-là.